Et youpi, les gens, c'est Naiko. Et la dernière fois, bah, c'était la cata, hein. J'ai fait une traduction, mon dieu, avec la pauvre Undyne. Mais c'était n'importe quoi, ma traduction. C'était absolument pas ce qu'elle devait dire. Donc, je vous ai mis effectivement les vrais dialogues en dessous. Et moi, bah, j'ai dit des bêtes, dit youpou. Voilà. Exactement, vous avez tout compris. Donc à présent, j'ai pris des notes, parce que cette fois-ci, je me suis dit, bon, faut quand même que tu sois un petit peu moins feignasse, hein. J'ai pris des notes, mais pas entièrement. Donc à un moment donné, je vais faire une pause, petite, mais c'est pas grave, parce que ça se voit pas trop avec Amstasia, et ça c'est cool. Et je vais vous reprendre, parce qu'il y a un truc que j'ai pas pu faire, parce que c'est très long à traduire, et c'est un enfer, et j'ai du mal, hein. Je vais faire ce que je peux. Cette fois-ci, peut-être qu'il n'y aura pas les sous-titres en bas, on verra. Mais en attendant, ben, on va continuer. Voilà. Je veux arriver à un point précis. Aujourd'hui, je voudrais passer quelque chose. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Si je ne peux pas le faire, bah, tant pis. Bon, c'est quoi ça? Parce que la dernière fois, je ne l'ai pas montré. Ceci est un micro-ondes où il y a du fromage fondu à cause des lasers à l'intérieur. Les lasers ont fait tellement fondre le fromage que c'est collé sur la table. Tout à fait. Je vais sauvegarder. Alors, savoir que la souris pourra un jour hacker l'espèce de micro-ondes ordinateur à côté, qui est avec un fromage fondu à l'intérieur, et bien ça te remplit de détermination, parce que le fromage, c'est la vie. Voilà. Donc je rappelle que j'ai un animal de compagnie dans ma chambre, c'est un lapin qui vagabonde comme il a envie et il fait ce qu'il veut et il fait beaucoup de bruit. Donc vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres. Bon, par exemple, ça je l'ai pas eu, donc je peux pas vous le traduire. Super. Il y a des messages, des fois je reçois pas et des fois je reçois. J'ai oublié d'aider l'humain. Il va falloir que je l'aide. Donc voilà, il faut qu'elle se souvienne de moi un petit peu. Le top 10 Mais j'ai pris des notes et les notes ne sont pas dans ça. Le top 10 des shows fabriqués par ce que tu oublies, voilà. Gros, c'est comme moi, quoi. Pas oublier de prendre des notes, sinon il y a des fails. Voilà, mais de toute façon, dans toutes les vidéos que je fais, en vidéo, début de vidéo, il y a toujours un fail avec moi. C'est la tradition dans mes vidéos. La tradition des vidéos de Naiko, c'est les fails, en premier. Et tout est noir. Faut pas changer aussi. Wing. Ok, je suis de retour. Encore une chambre toute noire. Oh, mais ne t'inquiète pas. Je vais utiliser mes super talents de hackeuse professionnelle pour pouvoir résoudre tout ceci et te retrouver la lumière. Ouais. Est-ce que t'es sérieux? Nous sommes dans un show TV avec Metaton, apparemment. Oh yes! Bienvenue à toutes les ladies and gentlemen. Ou, je crois que c'est beauté et garçon beau. Beauty et garçon beau, ça se dira à traduire. Ici c'est Metaton en direct de votre reporter en direct de Metaton TV New. Nous sommes intéressés par une situation vraiment intéressante qui se passe dans l'est de Hotland. Actuellement, notre correspondant est sur place et il va nous faire un commentaire en live. Notre brave correspondant, s'il te plaît, peux-tu nous trouver quelque chose d'intéressant et nous raconter une histoire intéressante à raconter? Nos 10 téléspectateurs et viewers sont en train de te regarder. Putain, il a que 10 viewers, bah dis donc, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est ça? Alors attention parce que j'ai pas pris des notes sur tout là aussi. Oh mon dieu! C'est vraiment un truc spectaculaire, c'est un verre d'eau, que c'est vraiment magnifique. Mais actuellement, c'est une grande histoire qu'on peut raconter sur ce verre d'eau. C'est pas ça la traduction, mais on s'en fiche parce que c'est qu'un verre d'eau. Peux-tu faire quelque chose sur le verre d'eau? Non. Bon, regardez un peu plus. Un chien! Il y a un chien. Enfin, on fait le chien. Oui, on fait le chien. Oh, quelle sensationnelle opportunité que tu vas pouvoir nous raconter sur une histoire. Je ne sais pas ce que c'est. Je peux dire que c'est quelque chose. Je vois que c'est quelque chose vraiment maintenant, vraiment. Il existe un chien vraiment extraordinaire. Frankie, je suis vraiment intéressée. Ça devrait vraiment être intéressant de faire un reportage sur ce chien.
Ouais, je veux bien. C'est un chien, après tout. Attention, Weaver! Notre correspondant va pouvoir faire un reportage sur ce vraiment génial chien. Notre audience est vraiment impatient. C'est vrai. Regardez donc une bonne histoire de... Voilà. Ouvrez bien vos oreilles et cette petite passe avec cette petite queue toute mignonne et fluffy. Petite queue toute mignonne. Cette bouille toute gentille. C'est un petit chien vraiment mignon à regarder. Attendez une seconde. Ce n'est pas une queue. Oh. Ce n'est pas une queue. Qu'est-ce que c'est? Ça. Ça, une mèche, la queue est en feu. Excusez-moi, c'était pas l'objet que j'avais choisi en premier, j'avais pris un autre objet. C'est vrai, ce dog est en fait une bombe. Mais pas de panique. Vous avez actuellement le reste de cette pièce à regarder. Badadrao, ok. Oh my! Tout ce qui se trouve ici sont des bombes. Toute cette pièce est remplie de bombes. Ce cadeau est une bombe. Ce ballon de basket est une bombe. Et même ce livre est une bombe. Non, même ce texte, même ces mots sont une bombe, ok? Mon brave correspondant, tu dois défaire toutes les bombes. Mais si tu n'arrives pas à défaire toutes les bombes dans 2 minutes, cette big bang bombe explosera, j'imagine. Je crois que je parle trop fort. Il y a un gros blanc là parce que je suis en train d'essayer de voir mes notes. Enfin, tu avoir le temps de le faire. Cette terrible destruction est entre tes mains. Non, non, maintenant plus que nous, nos 9 viewers sont vraiment impatients de voir ce qui va se passer et te regarder. Bonne chance, darling. Wing. Ne t'inquiète pas. J'ai installé une bombe, un truc qui va désactiver la bombe dans le programme de ton téléphone. Tu n'as qu'à utiliser cette option pour défaire les bombes. Maintenant, vas-y, dépêche-toi. On va commencer par Toutou. Je sais plus comment on fait, par contre, je crois que c'est Act. Diffuse la bombe. Ah oui, d'accord, je me rappelle ce nom. C'est au timing près. Attendez, alors. Hop, voilà. C'est bon, on a sauvé le Toutou. C'est un bon boulot. Maintenant, tu dois faire d'arrêter des choses avec toutes les autres qui se trouvent dans la pièce. Ne sois pas inquiet pour le reste. Il faut continuer à utiliser le reste du temps. Il reste pas beaucoup de temps, donc on va se dépêcher. Merde. Ah, c'est pareil. Par contre, il faut faire attention parce que des fois, le truc, il nous troll. Hein. Voilà, j'y suis arrivée. Ah, mais je suis con. J'ai bougé alors qu'il fallait pas bouger. Oh, il y a le vert, mais il va trop vite. Ah, je l'ai eu! Putain, c'est trop bien. Hop. Ah, voilà. Quand je vous avais dit que ça... Ça troll. Ça troll. Il me reste 36 secondes. Hein. Je l'ai eu. Putain, je sais pas comment j'ai pu l'avoir, mais je l'ai eu. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Il y a le cadeau. Ouais, on va faire le cadeau. Allez, on se dépêche. On se dépêche. On y va, on y va. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On y arriver. J'ai pas la patate du tout aujourd'hui, mais on va y arriver quand même. Ces vidéos à l'avance à la chaîne, je n'en peux plus. Mon Dieu. Je l'ai eu aussi. Il me manque le vert. C'est un bon boulot. Mais il faut que tu ailles vers le centre. Je vais utiliser mes super talons et pour pouvoir stopper le vert. Et je lis mes notes 30 secondes pour pouvoir l'arrêter. Et que tu puisses attraper. Voilà, c'est à peu près ça. C'est bon, elle a arrêté facilement en fait. Ah, mais il va toujours aussi vite. Hein. Je l'ai pas eu. Oh putain. Ah, il me reste que 5 secondes. Attendez, il me reste que 2-3 secondes là. 3 secondes, yeah. Attendez une seconde que je puisse prendre mes notes. Tu as désactivé, c'est bien. Bravo, mon chéri, tu as désactivé toutes les bombes.
Si tu avais désactivé ces bombes avant les 2 minutes de temps imparti, ça aurait explosé. Maintenant, ça aurait pu exploser dans les 2 minutes. Ça n'explosera pas dans les 2 minutes comme tu as réussi. Mais par contre, ça va exploser dans 2 secondes. Goodbye, darling. Moi, je suis un robot. Ah. Je vois que la bombe n'explose pas, c'est vraiment très bizarre. C'est vrai, parce que pendant que tu fais ton monologue complètement bidon, eh ben j'ai réussi à fixer la bombe et à l'arrêter. Oh non, tu as désactivé la bombe avec tes super talents d'hacker exceptionnels. Oui, c'est ça, je l'ai fait. Malédiction. J'ai encore échoué encore une fois. Malédiction humain. Malédiction à toi, fils. Tu l'as aidé encore une fois. Trop de trop. Mais je ne m'inquiète pas pour cette malédiction, car j'ai toujours 8 spectateurs et viewers qui sont toujours en train de me regarder. La prochaine fois sera la bonne, darling. Oh, wow. Tu as vu, on l'a réellement fait. On l'a réellement fait, on l'a réellement eu. Et je crois que c'est vraiment bien. Pas faux. La prochaine fois, j'ai vraiment pensé que je n'étais pas capable de le faire, que je n'y arriverais pas. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment, vraiment encore plus confiance en moi. Je peux vraiment te guider encore mieux. Ne t'inquiète pas à propos de ce maudit robot idiot. Je vais te protéger. Comme je le peux, je vais faire tout mon possible. Et si on est vraiment dans un sale pétrin, eh ben, ne t'inquiète pas. À plus tard. Merci Elfis. Hein. C'était à peu près ça la traduction. Si je me suis trompée, je ferai encore des annotations avec un petit truc où je mettrai que je suis stupide et que c'était pas ça. Voilà, voilà. Mais normalement, c'est à peu près ça. Grosso merdo, grosso modo. Tout va bien. Wing wing. J'ai remarqué que tu avais une mine un petit peu étrange. Est-ce que tu es inquiet à propos d'Asgore? Oh bien, mais ne t'inquiète pas, d'accord? Le roi est vraiment très gentil, c'est un gars vraiment sympa. Et je suis sûre que si tu essaies de parler avec lui, ben, avec ça ira. Et avec ton âme d'humain, tu pourras sans aucun doute franchir la barrière. C'est juste, n'oublie pas ça, d'accord? Et essaie de garder le sourire. Elle est super gentille, n'empêche. Elle essaie de nous aider depuis le départ. Elle nous appelle, elle essaie de nous encourager, elle nous remonte le moral. Et comme vous voyez, notre personnage est vraiment happy. Alors, je crois qu'il faut que j'aille ici. On va monter. Voilà. Monter en haut, n'est-ce pas? Ah, ah, ah. On va continuer. Oh, on arrive dans une nouvelle zone et il n'y a pas de point de sauvegarde. Oh, darling, oh mon dieu, oh là là, oh ça y est, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Pourquoi t'as un bracelet de force de Zelda? C'est totalement le bracelet de force de Zelda. C'est totalement ça. Tu regardes cet étrange bracelet au pouvoir étrange. Attends une seconde, mais non, c'est juste un croissant. Moi, je te dis que c'est le bracelet de Zelda. Voilà, dans les Zelda. Dans Link, Oracle of Age et ses zones. Voilà, et dans d'autres Zelda. Voilà. Non mais franchement, ceux qui regardent, c'est pas un bracelet de Zelda? Si. Voilà, et même si c'en est pas un, c'en est un quand même. Bienvenue au Parlement, mon cher. Darly, es-tu intéressé par les pâtisseries des araignées? Oh, nous adorons faire des bonnes pâtisseries qui sont vraiment des vraies pâtisseries des araignées. D'accord. J'ai acheté un donut. J'ai pas eu le choix parce que cette femme, elle me regardait vraiment avec un regard tellement creepy et effrayant que je n'ai pas eu d'autre choix que de l'acheter. Et maintenant je suis ruinée. Oh, pas de chance. Est-ce que tu...
Non, je n'achèterai pas à ce prix-là. J'en ai acheté un en début de jeu à 8, donc non. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Vous savez le donut dont je vous parlais? Ben, je l'ai oublié. Mais je fais une pause et je reviens de suite. Je vais le chercher. Vous inquiétez pas, ça changera rien pour vous. C'est juste moi, je vais faire un aller-retour. Je reviens. Et on est reparti. C'est pas le même endroit, je sais, mais c'est pas grave. Parce que je viens de remarquer qu'il y avait quelque chose d'encore plus stupide que d'oublier un donut. Et si je m'en souviens bien, c'est de faire ça déjà. Je voulais pas faire ça. Donc non. Ben, on va s'éloigner de lui au plus possible parce que sinon je vais encore me fail. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus stupide que d'aller chercher un donut? Voilà, c'est ça. Je vous remontre? Parce que c'est trop marrant en fait, hein. Je vais aller vous remontre. La dimension box B. Je pouvais y aller directement à ma boîte. J'avais pas besoin d'y aller en fait, le chercher, le donut, dans une boîte à Waterland. Ah. Mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je devais revenir ici. Voilà, ça va me faire un prétexte en fait pour faire comme si j'avais pas fait de file. Donc si je me souviens bien, je sais plus en fait. Donc c'est... On va chercher. Il faut que je vous montre un secret. Donc on va chercher le secret et après on revient sur nos pas. Et on revient sur nos pas. Voilà, donc c'est pas ici. C'est dans être ailleurs. Alors est-ce que c'est où? C'est peut-être... Non, c'est pas là. C'est pas possible que ça soit là. C'est peut-être là. Faut que je retrouve. Hein. Excusez-moi, hein. Je cherchais, c'est pas grave. C'est pas bon, c'est pas ici non plus. Eh ben dis donc, bah dis donc, c'est la cata. Je me rappelle même plus quel bouton j'ai fait. C'est la cata. C'est la cata les gens. C'est la cata les gens, c'est nul. C'est ici. Dites-moi que c'est là. Ah, je sais plus où c'est. Ouais, non, c'est pas là. Bon, écoutez, si je retrouve l'endroit, je vous montrerai la prochaine fois. C'est pas en soi. Ah, je crois avoir le vague souvenir de savoir où il faut passer. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai la prochaine fois. C'est un passage secret, mais bon, voilà. Je le montrerai d'Outland, hein. Mais de toute manière, on peut pas activer ce passage secret quand on en a envie. Ça a une date précise de l'année. Et je crois que ça marche pas si on modifie la date du PC. Je vérifierai ça. Peut-être si on a hack. Je sais pas. Est-ce que j'ai pris mon speeder donus au final? Oui, je l'ai pris. Hein. Parce que c'était important de le prendre à ce moment-là de l'histoire. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, voilà. On va continuer. On va faire comme si... Oui, pourquoi j'ai pris speeder donus avec moi? Parce que... J'ai fait tout le chemin pour rien. J'ai mis en pause pour rien. J'ai tout fait ça pour rien. C'est Alphys à l'appareil. Cette pièce est... Et comme les pièces des autres que tu as vues précédemment. C'est un puzzle que tu as vu au nord et au sud. Tu pourrais le résolver sans problème, du coup. Mais... Je voulais juste te dire... Je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas fait ces notes, là. C'est pas grave. Je n'ai pas vraiment... Fais des pulses comme... Ah oui, c'est pas vraiment les autres solutions comme les autres pulses. Donc si tu as besoin de moi, appelle-moi, juste. Actuellement, juste une seconde, j'ai une idée. Je vais être ton ami dans l'Undernet, qui est comme Facebook dans l'Underground. Tu as juste à m'envoyer une notification et je pourrais t'aider comme ça. Attends. Mais tu es déjà mon ami, en fait, sur cette application. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, tu as vu tous mes posts pendant tout ce temps? Mais alors, j'ai espoir, je sais. Est-ce que tu es d'accord avec moi à propos de Miu Miu 2? T'as dû voir, mais enfin, elle me demande si je... Voilà, par rapport à Miu Miu 2, comme elle arrêtait pas d'en parler tout à l'heure, qu'elle était pas contente et tout. C'était de la merde, voilà. Après, chacun son avis. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire en bas. Si je me souviens, il y a une porte à ouvrir, comme elle vient de nous le dire. Donc, on doit faire la résolution du petit truc. Là, voilà, évidemment. Ah oui, mais... Effectivement, voilà, quoi. C'est pas facile. Hé!
je n'ai pas vraiment de guide ou d'autres choses à te dire avec, mais j'ai une question à te poser à propos de ce que regardent les humains à la télé, les humains de télé, les programmes. Ce sont je mettrai des notes en dessous si vous pouvez me permettre. À propos de est-ce que tu aimes bien la série Cutie Mew Mew Power? Ben, j'aimais pas Mew Mew Power, mais peut-être que Mew Mew Cutie c'est mieux, donc pour peut-être. C'est vrai? Oh, c'est génial! C'est mon émission, vraiment mon truc favorite. Moi, je préfère One Punch Man et actuellement, je préfère Servamp, que je vous recommande, je le mettrai dans la description. C'est un anime génial, j'adore ça. Oh mon dieu, mais j'ai oublié de dire tout ce qu'elle dit. Non, elle est en train de raconter tout plein de trucs sur Mew Mew Power et c'est vraiment génial et tout. Et je viens de tout te spoiler le film, mais c'est pas grave. Et moi, pendant ce temps, j'étais en train de parler d'un autre dessin animé que je préfère. Et je suis toujours en train de traduire, pas du tout. Voilà. Je vous laisserai mettre sur pause à chaque fois parce qu'en fait, je vous le dis honnêtement, j'avais pas envie de traduire tout ça parce qu'elle passe trop vite. Et mettre sur pause à chaque fois, j'avais la flemme. Voilà. Mais je pense que même si je t'ai dit tout ça, tu pourras quand même essayer de le regarder et de te faire ton propre opinion. Je ferai ça, Alphys, je ferai ça. Voilà. Comment éviter de traduire quelque chose? Faut le faire qu'une fois, c'est pour ça que je suis en train d'essayer de me rappeler comment j'ai fait. Je sais plus. Les gens, je sais plus, il faut le faire qu'une fois. Oh, c'est chiant tout. Ah, oh, t'es sûr de moi. La dernière fois, j'ai reçu le premier coup, mais. J'arrive pas à faire ça, alors j'arrive à faire des professeurs de Layton sans problème, n'importe quoi. Pourtant, le poste du je suis sûr que vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais moi à côté. En plus, comme je stresse parce que j'y arrive pas, et du coup, je suis la merdouille. Est-ce que c'est. Attends. Non, c'est pas ça. Je vais pas faire passer ça pendant 3 heures. Ça va être chiant. Attendez, je me surpose. J'essaie d'y arriver en pause parce que ça va être pénible. Je suis désolée. C'est vraiment parce que ça va être. Voilà. En fait, j'ai réussi juste après. Ah oui, c'est vrai, putain. Chaque fois, voilà. Non, ça marche pas. Voilà, donc j'ai dû me couper. Parce qu'au moment où je disais que je faisais la pause, ben, ça a dû faire. Donc je fais la. Et puis ça a fait pratiquement nul. C'est pas grave. Tu t'arrêtes devant un cactus. Voilà. Il se passe rien. Par contre, j'espère qu'il n'y avait pas d'autres portes parce que j'ai pas envie d'en faire. Donc on va continuer tranquillement. J'espère que c'était il y avait qu'une seule porte ou il y en avait une autre en haut. Ah, il y en a une autre en haut. Je vais être encore devoir mettre sur pause si j'arrive pas. Ouais, j'en ai qu'un encore une fois. Bah oui, bien sûr. Genre que là, je vais y arriver le premier coup. Oh, mon dieu. Je crois que j'y étais arrivé, mais je sais. Ah, mais c'est bon. Voilà. Voyez, c'est pas difficile en fait. C'est complètement contre Galicieux de toi, très facile. Oh, mais t'es d'où vous sortez d'où, vous? Tête de cerf-volant. Mon épisode favori de Métatone en ce moment, c'est. C'est vraiment quand il prend ses poses dramatiques et qu'il est sur le point d'être battu. Et j'aime aussi son émission de cooking avec les œufs quand il les tourne à droite. Ou qu'il les tourne pas à droite. Mon favori moment de Métatone, c'est quand il tourne et qu'il déstabilise les méchants. Et je suppose que j'aime aussi ses questions chaudes. Quelque chose dans ce genre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. C'est par là qu'il faut passer. Oh, j'ai déjà plus de voix, quoi. Je
J'ai envie de boire, mais... Je vais faire du bruit si je bois. Ah, une sauvegarde. Super, on va sauvegarder. Donc, il y a une odeur de quelque chose qui flotte dans l'air. Et ça te remplit de détermination. Voilà. Donc les gens, je fais encore une pause rapide, je vous reprends de suite parce que là je peux plus parler, j'ai plus de voix. Voilà, on est reparti. Donc on rentre dans une petite caverne étrange. Ouh, des araignées. Ah, tu as entendu ce qu'on dit raconter? On raconte que les humains, ils n'aiment pas du tout les araignées. Il les déteste vraiment et je mettrai une traduction en bas parce que c'est pas du tout ça ce que je suis en train de dire. Après, j'ai entendu dire que les... Ils détestaient vraiment les araignées, qu'ils les écrasaient. Au téléphone. Mais comme je suis pas toute seule chez moi, quelqu'un va répondre certainement. J'ai entendu dire qu'il faisait quelque chose de méchant aux araignées. Apparemment, il y a un... J'ai entendu dire... qu'ils étaient vraiment très, 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 très radins avec leur monnaie. Je mettrai une traduction si c'est pas ça, vous inquiétez pas. Je pense que... je suis en train de penser que tu es vraiment Derry, n'est-ce pas? Je mettrai traduction. Ah, foufoufou. Je n'aime pas du tout cette façon de faire voilà. Vous inquiétez pas, je mets au fur et à mesure et je sais pas sa voix, du coup je mettrai la traduction en bas. Alors, apparemment quelqu'un l'a payé pour nous arrêter. On sait pas qui c'est qui l'a fait, mais ils lui ont donné une grosse somme d'argent pour nous arrêter. Et là, je vais vous faire voir une astuce pour pas faire le combat avec Muffette. Donc, je parie que vous avez déjà deviné depuis tout à l'heure de ce quoi il s'agit, évidemment. On peut faire le combat avec Muffette. Sauf que moi, j'ai toujours utilisé cette méthode-là, donc je ne sais pas comment on bat Muffette. Donc, ceux qui font la rune pacifiste, essayez de ne pas spoiler pour dire comment il faut faire. Et ceux qui veulent faire la rune pacifiste, en essayant de le faire sans cet item que je vais utiliser, bon courage! Donc on va manger le dog, mais je vous laisse un petit peu la musique. Speed dance, speed dance, nanana. Les musiques du Nortel, j'adore, mais j'aime bien celle-là aussi. C'est la musique de Muffette qui est speed dance. Et si je me souviens, parce que ma tête est vraiment vide, je vous mettrai le lien de la description, en plus quand même de l'animé de Servant que je vous parlais, que j'aime bien. Donc on va manger... Si je la retrouve. Oh, mais je l'ai pris normalement. Non, me dites pas que je l'ai pas pris. Eh ben les gens, je crois que je me suis fail. Gros moment de blanc, je suis désolée. Mais j'ai pas... Ah si, mais les touches ne fonctionnent pas. J'ai un bug, à chaque fois, ça c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Il y a un gros moment de blanc. Je sais pas, je ferai un truc au montage, parce que là, c'est n'importe quoi. Donc, il faut manger le Spider Donuts. Mais je savais que je l'avais sur moi, mais... Ça voulait pas passer à la page suivante. En fait, j'avais beau appuyer sur le bouton, pas besoin que ça marchait pas. Donc, tu manges le Spider Donuts et tu retrouves tes PV. Mais qu'est-ce que tu es en train de manger exactement là? Tu es en train de manger quelque chose que tu aurais volé? Oh. Voilà, en gros il y aura quelque chose parce que j'ai pas su ce que c'était.
Il m'accuse en gros d'avoir volé et de ne pas avoir payé le donut. Il y a un message qui arrive des ruines intérieures. Quoi? Quelque chose dit que... Quelqu'un aurait... Ça dit que tu aurais... Que tu aurais donné une cause pour les araignées en faisant un don avec ton argent pour acheter le donut. Oh mon dieu, je crois que c'est un terrible malentendu. Oh là là. Oh, je pense que tu n'es pas quelqu'un qui déteste les araignées après tout. Tu dois être une personne qui est sympa. Mais une autre personne par contre voulait ton âme. Et je sais pas si c'est trop ça, mais je mettrai quand même quelque chose dans la description qui vous aidera à mieux comprendre. Tu es différent des autres humains. Tu as l'air d'être sympa. Je suis désolée pour le trouble que je t'ai causé. Je vais t'épargner à présent. Tu peux continuer et regarder dans la description en bas de la traduction si tu as du mal à comprendre ce que je dis. J'aurais bien aimé que tu joues un petit peu plus avec mon animal de compagnie, mais tu joueras peut-être plus tard avec lui. C'était juste amusant. Bon, allez, je vais t'épargner maintenant. Je me souviens plus trop de ce qu'elle disait. À chaque fois, à la fin, je me rappelle vaguement. Je sais qu'elle disait qu'elle m'aurait bien proposé de jouer avec son animal de compagnie, quelque chose comme ça, mais voilà. Donc là, elle nous épargne. Je vous aurais bien montré quelque chose, mais je peux pas parce que je suis en pacifiste. Mais en sachant qu'on peut être sympa jusqu'au bout, mais on peut être salopard. Mais vraiment salopard, et là, je pourrais attaquer. Et si j'attaque à ce moment-là, il se passe quelque chose. Mais je vais pas le faire parce que je suis gentille. Donc j'épargne une fête, je gagne rien du tout. Parce que quand on donne nos dogs, on gagne rien du tout. Et parce que j'imagine que les araignées sont radins. Et ils ne donnent pas grand chose. C'était vraiment amusant. Tu peux revenir quand tu veux, chérie. Voilà, donc je vais revenir sauvegarder quand même. Il va y avoir un gros moment de blanc. Qu'est-ce que je ferai au montage? J'en sais rien. L'odeur qui tourne ici t'en remplit de détermination. Je sais pas, alors là, à chaque fois mes vidéos, de toute façon, ça va être là. Je vais continuer un peu, je suis à 32 minutes, mais allez, soyons fous, on continue. Je sais pas si je vais continuer en fait, parce qu'après il va y avoir autre chose encore, il y en a encore. Coucou, me fête. Tu es ici? Oh, chérie. Je te dirais bien bienvenue dans mon humble demeure. Tu peux te rester avec moi et prendre du bon temps. Je n'ai pas dit ça, tu sais pas parler anglais, non? Ou j'arrête avec ça dans toutes mes vidéos, je dis je sais pas parler anglais, je sais pas parler anglais, je sais pas parler anglais. C'est saoulant à force. Mais c'est chiant. Je me rends compte que c'est vachement chiant. De toute façon, on sait que je sais pas parler anglais. Chiant. Donc voilà, donc là il va se passer un truc, donc effectivement je vais pas continuer. J'ai essayé de prendre des notes pour faire quelque chose de potable, non potable. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite ou dans une prochaine vidéo, on va voir la suite après, donc ça fera 33 minutes, c'est pas mal. Moi j'aime bien quand c'est long, il y en a qui aiment moins quand c'est long, donc écoutez là, c'est raisonnable. Donc je vous reprends, de toute façon je fais cette vidéo la suite comme d'habitude et on va enchaîner. Donc je vais essayer de faire parce qu'il va y avoir une big traduction à faire et là je vais essayer de la faire et même si j'y arrive pas trop, on va faire approximatif. Enfin, comme là, j'avais traduit jusqu'à un certain point, mais je vous dis mes notes s'étaient arrêtées en fait après... Après qu'Alphys nous parle d'Asgore et j'avais pas continué jusqu'à Muffet. Et je pensais pas faire Muffet de suite parce que je pensais prendre plus de temps, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, vous avez l'explication en fin de vidéo et pour ceux qui n'ont pas regardé jusqu'à la fin de la vidéo, et ben tant pis pour vous, voilà. Parce qu'il faut regarder jusqu'à la fin de vidéo à chaque fois, voilà. Moi je le fais. Enfin, des fois je le fais pas et du coup je rajoute des commentaires à la suite et c'est stupide. Voilà, donc toujours regarder jusqu'à la fin de la vidéo, les gens. Donc je vous fais des gros bisous, hein, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, et à la prochaine. Bisous, bisous.